Les potes, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur Minecraft. Et dis-moi Lola, qu'est-ce que nous allons faire aujourd'hui, hein? Aujourd'hui, on va appeler le Grinch. Et oui les amis, aujourd'hui nous allons appeler le Grinch à 3h du matin. Alors apparemment, voilà, ce serait quelque chose qu'il ne faudrait surtout pas faire. Alors bon, ne faites pas attention à la blessure qu'il y a juste à côté de mon œil. C'est que en fait, dans une vidéo, je me suis battu avec Wiggy Woogie. D'ailleurs, elle sortira demain à midi, donc ne la loupez pas pour savoir qu'est-ce qui a bien pu m'arriver à mon œil. Et puis bah écoutez les amis, franchement, c'était un combat très compliqué. Et c'est pour ça que pour cette vidéo, je vais devoir mettre mes lunettes. Puisque bon, les amis, vous avez compris, hein, c'est peut-être un petit peu chaud. Mais bon, du coup Lola, apparemment d'après certains rumeur, s'il y a bien quelque chose qu'il ne faut absolument pas faire, c'est d'appeler le Grinch à 3h du matin. Mais pourquoi est-ce que, à ton avis, on ne peut pas l'appeler à 3h du matin? Tu crois qu'il pourrait se passer quoi, à ton avis? Il pourrait se passer des choses paranormales, peut-être qu'il pourrait même nous attaquer. Exactement les amis, et voilà pourquoi ça pourrait être dangereux de traîner avec le Grinch et même de l'appeler à 3h du matin. Eh bien les potes, en tout cas je compte sur toi pour bien que tu regardes la vidéo jusqu'à la fin, puisque évidemment aujourd'hui on va essayer de comprendre qu'est-ce qui a bien pu, enfin qu'est-ce que peut bien faire le Grinch à 3h du matin, et on ira évidemment l'appeler ce soir. Mais évidemment pour ça il faut déjà qu'on retrouve son numéro, et puis c'est pour ça que dès maintenant, si tu ne l'as pas encore fait, je t'invite évidemment à ce que tu t'abonnes à la chaîne YouTube et que tu mettes aussi la cloche de notification, c'est totalement gratuit, et puis en plus moi ça me soutient énormément, donc un grand merci à vous tous. Et pensez dès maintenant aussi à mettre un gros pouce bleu, puisque évidemment plus il y aura de likes sur la vidéo et plus je pourrai faire plein de nouvelles vidéos comme celle-ci. Et puis écrivez dans les commentaires bon rétablissement Twitter, hein, parce que là les potes ça va pas trop la forme en ce moment, hein Ivorine, hein Lola. Oui papa. Voilà, donc les amis, hein, bon rétablissement Twinner dans les commentaires. Et puis bah du coup, est-ce que t'es prête Lola pour qu'on parte directement en direction, eh bien, de la maison du Grinch? Oui. Alors, est-ce que par hasard tu saurais où est-ce qu'elle pourrait être? Parce que tu sais, moi je sais pas trop où est-ce qu'elle est dans la ville, la maison du Grinch, tu vois. Eh mais papa, peut-être qu'on pourrait essayer de chercher la maison du Grinch, ou peut-être d'hacker la maison du Grinch. Tu veux qu'on essaye de la retrouver, c'est ça? Ouais, oui. Voilà qui pourrait être une bonne idée. Et bah écoutez les potes, dès maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de chercher un petit peu dans les alentours, si jamais on peut pas retrouver, eh bien, la maison du Grinch. Et bah pour ça les potes, vous savez ce qu'on va faire, je vais directement aller chercher un avion dans l'aérogare de la ville, puisque évidemment il y a des avions qui sont vendus, et avec ça on va pouvoir évidemment survoler un petit peu la ville et découvrir où pourrait être la maison du Grinch. Alors apparemment, d'après certaines rumeurs, hein, autour de la maison du Grinch, il y aurait beaucoup de neige. Mais en même temps c'est normal, hein, vous le savez, le Grinch adore Noël, adore les fêtes de fin d'année. Enfin, non, justement, il déteste ça. Mais lui, quand il est présent, c'est uniquement pendant les périodes de fin d'année. Donc c'est pour ça qu'il faut faire un petit peu attention durant ces périodes-là. Et bah écoutez les potes, dès maintenant, on prend notre avion. Donc voici à peu près à quoi va ressembler mon avion. Bah écoute, là, je te mets un avion, toi aussi. Vas-y, tiens. Oui. Vas-y, prends ton avion. On va rapidement les remplir un petit peu avec de l'essence, puisque évidemment, là, actuellement, ils sont vides. Donc, eh bien, tiens, Lola, hop, prends de l'essence. Moi, je vais remplir mon avion. Du coup les potes, dès maintenant on va remplir nos avions d'essence. Et puis bah écoutez les amis, juste après on partira voir où pourrait être le Grinch. Mais normalement la maison du Grinch ne devrait pas être très loin d'ici. Bah écoute Lola, c'est bon, t'es prête? Oui je suis prête. Allez c'est parti les amis. Non, 3, pas dans ton 2, avion. Vas-y, allez 3, 2, 1, c'est parti. Wouhou. Ok. Et bien maintenant qu'on est en train de survoler, comme vous pouvez le voir, et bien la ville avec mon avion, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de chercher un petit peu où pourrait être la maison du Grinch. D'ailleurs, si vous la voyez dans les commentaires, dites-le moi, hein, c'est super important. Alors pour l'instant, je vois pas grand-chose les potes, j'ai l'impression de voir la maison à Clifford le chien juste là. Oh, oula. Alors les potes, par contre, regardez juste là, j'ai l'impression qu'il y a une zone avec une maison un petit peu glacée. Il y a d'ailleurs de la glace, ouais, tout autour de la maison. Franchement, c'est impressionnant. Les potes, papa, je crois bien que dans cet endroit, il pourrait y avoir la maison du... Qu'est-ce que quoi? Je pense peut-être qu'on devrait s'arrêter là, peut-être. Tu penses qu'il faut qu'on aille dans cette maison, c'est ça? Je pense, papa, viens vite, faut qu'on aille là-bas. Ok, 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 doucement, doucement, là, ok. Bon, eh bien les potes, je crois qu'on a trouvé la zone dans laquelle il pourrait y avoir la maison du Grinch. Alors évidemment, avant qu'on atterrisse, il faudrait trouver une zone de sécurité pour atterrir, puisque évidemment, on va pas atterrir sur la maison du Grinch non plus. Allez, on va chercher une piste un peu plate d'atterrissage. Bon, écoutez, on va atterrir vers ici. Attention, Lola, accroche-toi bien, Lola. Accroche-toi bien, on va se poser juste ici là. Allez, attention, allez, ok. T'es prête là, attention, on va atterrir. Ok, et boum. Ok,
Bon, les potes, normalement, ça y est, l'avion est donc bien garé comme vous pouvez le voir. Et bah les amis, c'est parfait, vous pouvez le voir, ça y est, notre avion est donc bien placé juste là. Et bah du coup Lola, maintenant que notre avion est bien rangé et que bah écoute, la maison du Grinch est là-bas à première vue, est-ce que ça te dirait qu'on y aille? Oui, je veux trop y aller à la maison du Grinch. Attends, mais pourquoi t'as autant envie d'aller dans la maison du Grinch? Tu sais quand même que le Grinch c'est censé être un personnage méchant normalement, non? Hein Lola? Mais moi je veux qu'on vole tous les cadeaux du Grinch. Ah, et bah oui les amis, je peux comprendre pourquoi Lola veut qu'on vole les cadeaux. Puisque comme vous le savez, hein, c'est le Grinch qui a volé tous les cadeaux des gens qui ne sont pas abonnés à la chaîne. Et dès maintenant, si tu ne veux pas louper tes cadeaux de Noël cette année, abonne-toi et mets un pouce bleu. Puisque sinon le Grinch risque de voler le cadeau de toutes les personnes qui ne sont pas abonnées à la chaîne de Twinner. C'est super important de le faire. Alors, et bien du coup, les potes, c'est parti. Mission exploration, c'est de fouiller un petit peu tout autour de la maison. Où pourrait donc être le coffre secret du Grinch, enfin voilà le numéro etc, c'est ce que l'on cherche en premier temps. Alors les potes, vu qu'il neige pas et vu qu'il est pas 3h du matin, je ne pense pas que le Grinch est actuellement chez lui, mais évidemment faut faire super attention puisque ce soir il risque bien d'être présent. Alors Lola, fouille un petit peu tout autour de la maison et essaye de trouver si jamais tu peux pas trouver justement une sorte de petite un petit coffre ou un numéro de téléphone qui peut traîner quelque part. Ok. Bon, du coup les amis, là la mission est donc de retrouver un numéro de téléphone pour qu'on puisse appeler le Grinch. Puisque comme vous le savez, hein, si on n'a pas le numéro de téléphone, on pourra pas l'appeler. Mais vous inquiétez pas, on risque de bien trouver le numéro de téléphone durant cette vidéo. Donc c'est parti. Alors, voyons voir, est-ce qu'il est là-dedans dans la cuisine? Alors on va chercher un petit peu dans les armoires si jamais il n'y a pas un numéro de téléphone. Ou d'ailleurs un petit livre qui traîne hein, avec le numéro de téléphone ou des coordonnées. Donc là-dedans j'ai pas l'impression que ça y est. On va... Bah écoute Lola, tu fouilles à l'intérieur, moi je fouille à l'extérieur, d'accord? Vas-y, on va la laisser fouiller vers ici. Moi je vais regarder vers l'extérieur de la maison si jamais il n'y a pas un petit truc intéressant. Ok, alors vers ici j'ai pas l'impression qu'il y a quelque chose. Ouh! Ok, d'accord les gars. Bon, je crois qu'on a trouvé un coffre. Est-ce que le contenu maintenant de ce coffre est donc rempli de jouets? Ou alors peut-être que c'est rempli d'ailleurs d'un numéro de téléphone? Ouh, les potes, déjà super intéressant. Le livre s'appellerait le Grinch. Ok, alors est-ce que ça voudrait dire qu'on devrait trouver des informations complémentaires par rapport au Grinch? Ou alors est-ce que ça veut tout simplement dire que c'est un livre qui appartient au Grinch? Je sais pas, mais ce que je propose c'est que dès maintenant on l'ouvre et on découvre qu'est-ce qu'il y a écrit à l'intérieur. Alors, ne jamais appeler ce numéro à 3h du matin où le Grinch viendra t'attaquer. Mouah! Oula, 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 oula. Ok. Alors, apparemment, d'après certaines sources, il est possible qu'à 3h du matin, il y ait donc le Grinch qui débarque pour nous faire des mauvais tours. Et apparemment, le numéro qu'il ne faudra absolument jamais appeler le soir, enfin, à 3h du matin, serait donc le 666-3630. Attends, mais Lola, 3630, ça te rappelle pas quelque chose? 3630, c'est le numéro du Père Noël. Ah, mais oui, les amis, le 3630, pour ceux qui le savent pas, c'est le numéro du Papa Noël. Bon, c'est un numéro qui est un petit peu surtaxé, donc ne vous amusez pas à l'appeler, parce que sinon, papa et maman vont pas être contents. Mais, écoutez, voilà, c'est le numéro du Père Noël, et apparemment, devant, il faudrait rajouter, du coup, 666, et ça nous ferait donc un numéro hanté, puisque du coup, ça ferait un Père Noël à 3h du matin. Donc, le Grinch, évidemment. Et bah, écoute, Lola, ce que je te repose, c'est que dès maintenant, je vais aller, enfin, on rentre à la maison, on va au Cookie Market, oui, pour que j'achète moi un téléphone, et puis bah ce soir on se retrouve pour appeler le Grinch. Qu'est-ce que t'en penses? Oui, moi je veux trop appeler le Grinch. Allez, et bien les amis, c'est parti. Donc les potes, là la mission qu'il nous reste à faire, c'est que moi de mon côté, je vais aller acheter un téléphone, puisque évidemment mon dernier téléphone s'est cassé hein, dans ma dernière vidéo, pour ceux qui verront la vidéo de demain avec Ugi Woogie, vous allez comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Mais du coup, hein, voilà, on va aller acheter un nouveau téléphone étant donné que le mien est cassé. Et comme ça, on va pouvoir appeler le Grinch avec. Lola, est-ce que t'es prête? Ce que je te propose, c'est que moi, pendant que je cherchais le téléphone, tu ranges un petit peu la maison, tu la mets en ordre. Et si tu peux, tu peux même faire un petit gâteau ou un truc comme ça, ok? Oui. Vas-y, 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 bah nickel. Eh, hey, tu nous fais un gâteau au chocolat, Lola, par contre, hein? Oui. Ok, bon. Ouais, un gros gâteau au chocolat, parfait. Dans les commentaires d'ailleurs les potes, dites-moi quels sont vos gâteaux préférés. Et d'ailleurs, qu'est-ce que vous souhaiteriez avoir pour Noël hein. C'est une petite question que je vous pose, histoire de voir un petit peu quels sont vous, vos petits cadeaux, vos rêves que vous souhaiteriez avoir, ça peut être sympa. Et du coup, bah les amis, nous, direction la maison, ici, juste là. Les amis, c'est parti. Ok, nickel. Bah vas-y, bah du coup, Lola, je te dis à tout à l'heure, ok?
Tout à l'heure, papa, à plus. Vas-y, à plus. Ok, bon, et bien les potes, on va laisser Lola tranquille. Et nous, et bien les amis, ce qu'on va faire, c'est que dès maintenant, on va aller dans la, dans le Cookie Market pour évidemment aller m'acheter un tout nouveau téléphone. C'est parti. Allez, du coup, les amis, c'est parti. On va directement en direction, et bien, du Cookie Market. Et puis, bah les potes, c'est parti. Allons acheter mon nouveau téléphone pour qu'on puisse évidemment joindre le Grinch. Comme ça, tout sera parfait et c'est nickel. Ah, bonjour mademoiselle, comment vous allez? Bonjour Monsieur Tuner, comment vous allez? Vous allez bien? Bah écoutez, moi ça va super, mais dites-moi mademoiselle, est-ce que par pur hasard vous vendrez des tout nouveaux téléphones, genre des iPhone ou des Samsung ou quelque chose comme ça? Oui, bien sûr monsieur, je vends des téléphones. Oh, parfait, bah allez, je vous suis. Bon, et bah les potes, apparemment la dame vendrait des téléphones, donc et bah écoutez les amis, dès maintenant, voyons voir un petit peu les différents téléphones qu'elle aurait à nous proposer, comme ça, et bien les amis, on pourra évidemment en acheter un ou deux, ou même trois, on verra bien un petit peu ce que ça va pouvoir être. Alors, du coup, ouais, faites voir un petit peu. Ah, oh, ouais, d'accord, ok, ils sont oui, là. Monsieur, faites regardez, voir. Franchement, okay. J'ai le modèle. Bon, alors comme vous pouvez le voir, on a trois différents modèles de téléphones, on en a un qui est ici, un juste là, un ici, oula, celui c'est un peu le modèle à l'ancienne. Ah bah écoute, tu sais quoi, le modèle de gauche m'intéresse plutôt bien. Il a l'air d'être vraiment sympa celui-là, non? Hein? Pas très bien, pas de problème. Bah écoutez ce monsieur, hein, vous savez, les autres téléphones coûtent moins cher, mais celui-là il est très récent, vient de... Ouais, bah oui, justement, moi je veux quelque chose de récent, puisque évidemment si je veux appeler le Grinch, il me faudrait un téléphone bien bien neuf, parce que si c'est pas en bon état, ça va être compliqué quoi. Bah écoute, vous savez quoi, combien coûte ce téléphone-là au juste? Il coûte à peu près 20$. 20$? Ah oui, quand même. Bon, ça picote un peu, mais allez, vas-y, partons pour 20$. Eh bien, les amis, dès maintenant, abonnez-vous à la chaîne et mettez un pouce bleu, puisque 20$, c'est un petit peu cher. Et puis, bah, pour me soutenir, abonnez-vous et mettez un pouce bleu, c'est grave important. Bah, écoutez, vous savez quoi, madame? Je vais payer rapidement ces 20$. Et puis, bah, écoutez, hop, merci pour le téléphone. Oula, vous l'avez récupéré, là, madame. Tenez, voilà, je vous paye vos 20$. C'est nickel. Parfait. Voilà. Eh bien, du coup, les potes, on a notre téléphone sur nous. Les amis, maintenant, il nous reste plus qu'une dernière chose à faire. Comme vous le savez, c'est attendre tranquillement qu'il soit 3h du matin. Et puis comme ça, les amis, on pourra évidemment attaquer le Grinch. Enfin, d'abord l'appeler et puis évidemment, pourquoi pas l'attaquer si jamais il devient violent. C'est parti. Est-ce que vous êtes prêts pour qu'on appelle le Grinch ensemble? Ça va être vraiment incroyable, les potes. Dès maintenant, on n'a plus qu'à attendre qu'il fasse nuit. J'espère que pendant ce temps-là, Lola est en train de préparer un magnifique dessert. Parce que les amis, hein, là, on va quand même appeler le Grinch. Et bah écoutez, les amis, avant qu'il soit 3h du matin, ce que je vous propose, c'est que dès maintenant, on parte évidemment récupérer différentes armes. Puisque, vous le savez, le Grinch pourrait être évidemment super dangereux. Donc, eh bien, les potes, dès maintenant, allons voir un petit peu les armes qui pourraient me permettre de me défendre si jamais le Grinch pourrait, enfin, peut devenir, enfin, si jamais le Grinch devient violent, dangereux et tout, comme je vous l'ai dit. Donc, voyons voir un petit peu les armes qui pourraient m'être utiles. Alors, déjà, évidemment, vous le savez, hein, mais face au Grinch, une arme qui est redoutable, c'est évidemment le fusil à pompe, mais c'est redoutable face à n'importe qui, donc on prend ça. On va se prendre aussi une mitraillette un petit peu, vous savez, très, très peu bruyante, comme ça, eh bien, les potes, on pourra un petit peu faire de l'infiltration, quoi. Donc, les potes, c'est parti. Et ce que je vous propose, ce qui peut être vraiment sympa, c'est d'appeler le Grinch dans sa propre maison pour voir est-ce qu'il devient réactif, enfin s'il est réactif ou pas. Et bah écoutez les potes, maintenant qu'on a nos armes, on va récupérer aussi une armure et puis les potes, juste après, on partira dans la maison du Grinch pour l'appeler et découvrir qu'est-ce qu'il pourrait se passer. Est-ce qu'il me donnera une mission à faire? Est-ce qu'il voudra me tuer? Qu'est-ce qu'il voudra faire? Je sais pas. Mais les potes, c'est parti. Hop, on prend dès maintenant une armure. Ok les gars, oh là 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 là, regardez-moi ça. Avec ça, on est vraiment vraiment bien. Ok, donc on prend l'armure en entier. Regardez ça, voilà, comme ceci. Ok. Et bah les amis, d'ici quelques minutes, on va appeler le Grinch. Plein de pouces bleus et d'abonnements, puisque là les potes, ce qu'on va faire, ça va être incroyable. Je ne sais d'ailleurs même pas s'il va essayer d'être gentil, s'il va essayer de me faire du mal, s'il va essayer d'être méchant. Enfin, je sais pas comment il va réagir face à moi, mais on va le découvrir dans quelques instants. Donc c'est parti, mon téléphone est sur moi, j'ai le numéro du Grinch et j'ai évidemment des armes pour me protéger. C'est parti, maintenant on fonce en direction de chez le Grinch et évidemment on va appeler le Grinch. Alors pourquoi j'y suis allé sans ma fille Lola, puisque évidemment vous le savez, hein, à 3h du matin, ma fille Lola dort, hein, donc voilà, bah du coup on va quand même pas la réveiller, hein, parce que demain elle a école. Mais évidemment les potes, dans une prochaine vidéo, si jamais c'est le Grinch qu'on appelle bah je sais pas moi, à 10h ou 17h, vous inquiétez pas qu'il y aura ma fille Lola avec nous pour l'appeler. Mais évidemment là à 3h du matin, il y a que moi. Allez du coup c'est parti, fonçons tout droit dans la maison du Grinch. Et ce que je propose, c'est qu'on se trouve d'ailleurs même un petit spot dans sa maison où on pourrait l'appeler tranquillement, on pourrait le joindre et pourquoi pas même lui faire des petites blagues au téléphone. Allez,
On fonce vers là-bas, ok. Pour l'instant, pas de nouvelles du Grinch. Enfin, je vois pas le Grinch ni à droite ni à gauche, ok. Ok, bon. Les amis, comme vous pouvez le voir, regardez là-bas. J'ai l'impression qu'il y a une maison un petit peu. Les potes, vous le savez très bien, hein, c'est la maison du Grinch. Eh bien, les potes, dès maintenant, vous êtes prêts. On va trouver une petite salle dans laquelle on pourrait appeler... Oh là, oh là, il est là. Ok, bon, on va reculer un petit peu. Ok, bon, il faudrait d'abord que je l'appelle. Les cadeaux de toi, les okay. enfants. Bon, voilà, j'ai reculé un petit peu assez pour plus qu'on l'entende. Ce qu'on va faire, c'est que dès maintenant, je vais poser le téléphone. On va l'appeler et savoir qu'est-ce qu'il veut faire et qu'est-ce qu'il veut qu'on fasse ensemble. Allez, les potes, c'est parti, vous êtes prêts? 666 36 30. Donc, du coup, si je dis pas de bêtises, le 0, il est là. Et du coup, le... Attendez, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Donc, 6, 6, 6, 6, 36, 30. Allez, hop, voilà, c'est bon. Ok. Allez, ça sonne, ça sonne, ça sonne. Allô? Allô? Bon, bonjour, c'est qui au téléphone, bonjour. Là bonjour, c'est monsieur... Le Grinch. C'est le Grinch? Mais qu'est-ce oui, que... Oui, c'est le Grinch. Mais qu'est-ce que vous faites là, le Grinch? Je suis en train de voler tous les cadeaux des enfants. Je quoi veux gâcher le Noël des enfants. Non, non, gâche... gâcher le Noël de tous tes abonnés. Non, mais non, mais gâche pas le Noël de mes abonnés, les pauvres. Qu'est-ce qu'ils t'ont fait? Oh, je vais me venger de tout Noël. Car je déteste Noël. Les gars, vous avez entendu? Apparemment, le Grinch voudrait se venger de tous les enfants qui ne sont pas abonnés à la chaîne. Donc dès maintenant, si vous voulez recevoir des cadeaux de Noël, abonne-toi et mets un pouce bleu. Mais les potes, vous inquiétez pas qu'on va pas se laisser faire. Je vais essayer de stopper le Grinch pour que plus jamais il dise des trucs pareils. Bon, écoute, tu sais quoi, le Grinch? Dis-moi une chose à faire. J'essaierai de réaliser cette mission. Et si j'y arrive, tu laisses tous les cadeaux des enfants tranquilles, ok? D'accord, ok. Il faudra bon. Que tu me réalises une mission et oh. je laisse tous tes abonnés tranquilles, okay. ils auront leur cadeau. Bon, bah écoute, tu sais quoi, le Grinch? Je suis pas très loin de chez toi, donc je vais directement toquer chez toi, ok? D'accord. Bon, les potes, apparemment j'aurai une grande mission à devoir réaliser, je ne sais pas de quoi est-ce qu'elle va traiter, mais les potes, évidemment, faisons bien attention à ce qu'il va se passer, puisque ça se trouve, ça pourrait vraiment être grave, vraiment être bizarre. Donc les potes, c'est parti, allons directement toquer à la maison du Grinch et voir ce qui se passe. Oh, oh, mais le Grinch, t'es déjà là. Bonjour. Ouais, le Grinch. Que je t'avais au téléphone. Oui, bah oui, c'est moi, j'étais au téléphone, c'est Twinner. Du coup, quelle est ma mission, du coup, que tu veux que je réalise? Ok, la mission, ça va être simple. Dis-moi. Tu vas m'aider à préparer un grand gâteau. Tu veux que je t'aide à préparer un grand gâteau empoisonné, c'est ça? Mais... Non, des cookies, d'accord? Ah, des cookies, ok. Mais tu veux que je mette quoi comme ingrédients spéciaux dans ces cookies-là? Parce que moi, je sais pas, qu'est-ce que tu voudrais que je mette, quoi, tu vois? Tu vas mettre du poison. Ah, et après on le distribuera aux gens qui sont pas abonnés à la chaîne, c'est ça le concept? Oui, voilà, c'est okay. ça. Ok, bon, et bien les amis, vous l'avez compris, apparemment le Grinch voudrait qu'on fabrique des gâteaux empoisonnés sur Minecraft. Et bien les potes, dès maintenant, c'est ce que je vais devoir faire. Donc les potes, si vous voulez pas vous retrouver à manger des gâteaux empoisonnés, abonne-toi tout de suite à la chaîne et mets un pouce bleu. Et puis bah les amis, dès maintenant, c'est parti. J'ai ma grande mission du coup qui m'attend, c'est de préparer des gâteaux empoisonnés. Alors, comment est-ce qu'on fait des gâteaux empoisonnés, vous allez me demander? C'est très très simple. Alors, tout d'abord, il va falloir qu'on récupère du bois, histoire de pouvoir évidemment faire un établi. L'établi qui est évidemment la base de la survie dans Minecraft. Donc, prenons un petit peu de bois. Et après, les amis, vous savez quoi? J'ai découvert qu'il y avait une sorte de fleur qui était très très empoisonnée. Et qu'en fait, voilà, elle était pas du tout comestible. Et qu'en fait, voilà, si on en consommait un petit peu, on pouvait tomber très malade. Et quelle est cette fleur? C'est évidemment la marguerite, voilà, qui est juste là-bas. Donc voilà, c'est une pâquerette, une marguerite, je sais pas comment vous appelez ça. Mais voilà, en fait, en prenant le pollen de cette fleur, on peut tomber super malade. Et puis bah du coup, bah les amis, c'est pour ça que, regardez, en plus, il y en a de partout là, des pâquerettes. Donc on va toutes les prendre. Et comme ça, évidemment, eh bien, on va pouvoir faire notre fameux poison pour le Grinch. Allez, c'est parti, prenons toutes ces petites marguerites là. Ok, parfait, voilà, on va toutes les prendre. Et puis comme ça, après, on n'aura plus qu'à faire le gâteau et à mettre les marguerites à l'intérieur. Nickel. Bon, maintenant qu'on a les marguerites, préparons directement le magnifique gâteau. Et comme ça, et eh bien les potes, on aura des gâteaux empoisonnés. Et puis bah restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, parce que peut-être que le Grinch va quand même vouloir gâcher Noël, même après lui avoir fait un gâteau. Donc hein, restez bien attentifs. Alors maintenant qu'on a tout ce qu'il faut, il faut qu'on prépare le gâteau à l'intérieur de la cuisine. Alors pour ça, évidemment, vous le savez, il faut du lait, hein, voilà, du lait pour faire un gâteau, c'est obligatoire. Donc voilà, il nous faut aussi, les amis, super important, des œufs et du sucre. Donc les potes, c'est parti. Alors,
combien il faut de briques de lait? Je crois qu'il en faut 3. Je crois qu'ensuite il faut 3 de blé. Et puis je crois qu'après il faut des œufs et du sucre. Et puis ça nous fera évidemment un magnifique gâteau empoisonné pour toutes les personnes qui ne sont pas abonnées à la chaîne. Donc voilà, regardez-moi ça. Impeccable. Alors maintenant l'établi, est-ce que je peux m'en faire un? Il faut vite que je me fasse un établi. C'est parti. Le voilà. Ok, alors maintenant le gâteau empoisonné, on doit mettre, évidemment vous allez voir, dans tous les cas je pense que vous savez peut-être comment faire un gâteau empoisonné. Hop, on fait ça. Et puis voilà, le gâteau est prêt, on n'a plus qu'à l'assaisonner avec des marguerites dessus. Et là, ça sera évidemment le gâteau empoisonné. Allez, c'est parti les amis, voilà. Et oh le Grinch, regarde les bois gâteaux, c'est ça ce que tu voulais? Oui, nickel. Super bon. Et bah voilà, et bah dans ce cas-là, Grinch, maintenant que t'as le gâteau empoisonné, tu vas sauver Noël alors, c'est ça? Oui, je vais sauver Noël. Quoi, pour de vrai? Oui. Mais non, mais t'es trop gentil le Grinch, je pensais que moi t'étais méchant, je pensais que t'allais pas tenir tes paroles. Et bah là, je vais aller sauver Noël. Toutes les abonnés vont recevoir les cadeaux. Les autres enfants qui ne sont pas abonnés. Ah ouais, ok, d'accord, je vois. Les leurs cadeaux. Et bien, les potes, vous l'avez entendu, le Grinch va donc vouloir sauver Noël dès maintenant. En tout cas, sauver Noël uniquement aux abonnés de la chaîne. Si vous voulez donc, et bien, vous aussi que Noël soit sauvé, abonne-toi à la chaîne et mets un pouce bleu. Comme ça, évidemment, tu pourras avoir tes cadeaux de Noël et toute la famille pourra les avoir aussi. Mais attention, si tu n'es pas abonné à la chaîne, le Grinch débarquera chez toi pour gâcher ton Noël. Donc, je te conseille évidemment de rapidement t'abonner et de mettre un pouce bleu. Et puis bah écoutez les amis, voilà, vous avez maintenant compris pourquoi est-ce qu'il ne faut pas appeler le Grinch à 3h du matin. Tout simplement puisque sinon il pourrait vous faire concocter des potions ou des gâteaux empoisonnés qui pourraient être très dangereux. Mais bon, j'irai quand même réussir à m'en sortir pour cette vidéo. Et c'est pour ça que dès maintenant, pense à mettre un pouce bleu et puis à t'abonner tout de suite à la chaîne. Et écrivez dans les commentaires bon rétablissement pour mon œil, puisque les potes, je sais pas pour dans combien de temps je vais devoir avoir ça, mais j'espère une semaine, deux semaines. Mais vous inquiétez pas, on est fort les potes. Voilà, sur ce, je vous souhaite à tous une très bonne journée, une bonne fin de soirée et à la prochaine. Allez, ciao ciao.